Paul, on va aborder aujourd'hui la thématique des automassages. Et dans ce cadre-là, j'aimerais que tu nous parles d'abord, que tu nous relates dans ton parcours de vie, comment tu as connu les automassages. Bon, en fait, j'ai connu les automassages assez jeune. Ça ne s'appelait pas les automassages à l'époque, mais c'est parce que ma mère suivait des cours d'anti-gymnastique avec Thérèse Berthera sur Paris. Thérèse Berthera, c'est une kinésithérapeute qui a travaillé étroitement, enfin, qui était l'élève de Françoise Mézières. Françoise Mézières, c'est celle qui a la première découvert et parlé de ce qu'on appelle les chaînes musculaires, et elle a parlé en particulier de la chaîne musculaire postérieure. Et dans le cadre de ses cours d'anti-gymnastique, Thérèse Berthera utilise des balles de tennis ou des balles de mousse pour aller libérer des points clés du corps, en particulier le pied, pour montrer l'impact que ça a sur toute la chaîne musculaire. Je recommande fortement, c'est toujours d'actualité, ce livre qui est sorti au tout début des années 80, qui est « Le corps a ses raisons », qu'on trouve en poche, bien entendu, de Thérèse Berthera. « Le corps a ses raisons », c'est un livre extraordinaire qui a révolutionné un peu l'approche du corps, où à l'époque, on n'était que dans la gym suédoise, la gym un petit peu scolaire, et elle a montré tout à fait autre chose, avec l'importance de prendre conscience de son schéma corporel. On est dans un courant de tout ce qu'on pourrait appeler les gymnastiques douces à l'époque, avec l'apparition de méthode Feldenkrais, méthode Alexander, le Tony, et donc l'anti-gymnastique de Thérèse Berthera. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai pratiqué très jeune toutes ces approches que je viens de citer, un tout petit peu, quand j'avais 20 ans, même 19 ans, le Tony, Feldenkrais, Alexander, l'anti-gymnastique. Et puis donc là, il y avait un petit peu de mobilisation et d'automassage. Donc j'ai commencé là, et puis ensuite j'ai pris cette habitude de masser en particulier les pieds tous les jours quasiment de ma vie, jusque en 2010-2011, où là j'ai eu une hernie discale, j'ai souffert terriblement, et en cherchant des moyens de m'aider, j'ai rencontré, sur internet, beaucoup de gens recommandaient le livre de Christophe Cariot qui s'appelle « Un corps sans douleur ». À l'époque, c'était la première édition, depuis il y en a une autre. Et dans son livre « Un corps sans douleur », que j'ai tout de suite acheté, je me suis mis à pratiquer les automassages. Alors lui, il utilisait à l'époque les rouleaux d'automassage à picot et les bâtons d'automassage, The Stick, qu'on utilise et qu'on vend dans notre boutique mouvement.org. Et puis depuis, j'ai rencontré après les balles d'automassage en caoutchouc par le travail d'une prof de yoga américaine qui s'appelle Jill Miller, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle The Role Model, qui est le livre de base sur les automassages en anglais, que je recommande fortement à tous les gens qui parlent anglais. C'est vraiment la bible sur les automassages. Donc à partir de 2010, grâce à Christophe Cariot et à son travail, j'ai commencé à pratiquer les automassages. Et donc j'ai invité Christophe Cariot en 2012-2013 au CFPA. Il a animé des formations et c'est comme ça que je suis devenu un peu plus aguerri au niveau des automassages. Voilà donc un peu mon parcours personnel. Évidemment, si je les ai utilisés à l'époque où j'avais ces hernies discales, c'est que ça m'a fait un bien fou. J'avais des tensions accumulées partout dans le corps et donc ça m'a fait un bien fou, les automassages, que je continue à utiliser régulièrement dans ma vie. Tu as commencé par libérer le pied, donc le mollet En fait, l'approche que proposait Christophe Cariot, il utilisait beaucoup le rouleau d'automassage et lui, il propose de faire tout le corps. Il dit on peut accumuler des tensions dans tout le corps et il en parle un petit peu comme le fait qu'on va se brosser les dents tous les jours, il faut s'occuper de ses tissus, prendre soin de ses tissus. Ça, c'est une notion importante dans le travail du CTS de Christophe Cariot. Et je me suis mis à pratiquer les automassages, mais de tout le corps. Voilà. Donc, alors qu'avant, je me limitais aux pieds. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur l'historique un peu des automassages, leurs origines? Alors, effectivement, je dirais Thérèse Berthera. En France, au XXe siècle, c'est Thérèse Berthera qui est, à ma connaissance, la seule qui en a parlé, mais c'était vraiment très spécifique, des petites balles de mousse pour les pieds et d'autres parties du corps. Vraiment, à mon avis, celui qui, au XXIe siècle, en a parlé en France. Bien sûr, peut-être quelques spécialistes ici ou là, mais c'est vraiment Christophe Cariot qui l'a popularisé sur Internet, sur ses vidéos, son site Internet, etc. Mais les automassages, ça ne date pas du tout du XXIe ou du XXe siècle. En fait, on suspecte même qu'on a trouvé des traces d'automassage à la préhistoire en trouvant des objets qui ont été utilisés où on suppose que des gens se sont frottés dessus. Et donc, on a utilisé, on suppose, des cailloux, des bouts de bois, des arbres pour se frotter là où on en avait besoin et pour libérer
détention. On a tous fait cette expérience. Quand on a mal, on veut frotter quelque part. On imagine très bien quelqu'un à la préhistoire ou dans l'Antiquité avoir mal quelque part et s'y frotter, chercher à libérer les tensions avec un caillou, avec un bout de bois, avec quelque chose. Donc on peut imaginer que de tout temps, les humains ont utilisé des outils d'automassage. D'ailleurs, on voit certains animaux qui vont aller se frotter contre un poteau, contre un rocher. Tout le monde a évidemment l'image de Balou dans le livre de la jungle qui se frotte contre un arbre. Mais on a ensuite, dans l'Antiquité, trouvé véritablement des outils d'automassage qui étaient dédiés à cela, des choses qu'on roule en bois, des vraiment, vraiment... au niveau de l'histoire des humains, on a trouvé des tas d'outils qui ont servi, qui avaient pour but de servir à libérer les tensions. Et puis dans le 19e siècle, il y a eu des tas d'outils avec l'invention de l'électricité, avec l'invention de tout ce qui est les roulements à billes et tout ça, des tas d'outils. Aujourd'hui, je dirais, pour moi, les trois outils qui sont vraiment les plus performants, on trouve des choses très complexes. Tout le monde est allé dans un fameux magasin, Style Nature et Découverte, ouais. et mettre la main sur tous les petits outils qu'on trouve d'automassage, et il en existe tout un tas. Pour moi, vraiment, les trois les plus performants, solides et qui ont une efficacité à toute épreuve, c'est les rouleaux de massage. En particulier les rouleaux à picot que nous on utilise parce qu'ils reproduisent un peu les pouces que le masseur va mettre pour aller trouver les nœuds. Donc le rouleau d'automassage à picot, les Rumber Rollers sont ceux qui ont montré le plus leur efficacité à ce niveau-là. On va utiliser des bâtons de massage flexibles. Il existe plusieurs bâtons de massage sur le marché maintenant, mais véritablement les bâtons flexibles de la marque The Stick, c'est ceux qui ont montré aussi leur efficacité. Il y en a de plusieurs longueurs. Et puis, enfin, les fameuses balles d'automassage, les balles en caoutchouc. Très polyvalentes, qui ont à la fois l'adhérence qu'on va pouvoir utiliser, la bonne pression, le fait d'aller dans toutes les parties du corps, effectivement, les plus grosses balles pour les gros muscles, les plus petites balles pour aller trouver les petits nœuds. Donc, voilà, peut être très progressif dans l'utilisation de ces outils. Très progressif dans l'utilisation de ces outils. Ça va être pour les sportifs, mais pour monsieur et madame tout le monde. Les sportifs, monsieur et madame tout le monde, les sédentaires, vraiment tout le monde. Dans un premier temps, souvent je recommande, par exemple pour les balles, de pas tout de suite, ce sera un peu le réflexe de prendre une balle, de se mettre au sol et de vouloir se rouler dessus. Là, la douleur sera intolérable pour les gens. Il y a des nœuds et même on risque de se faire mal. C'est d'utiliser les balles dans leur filet en duo contre un mur. Oui. Tout simplement, là, on peut bien gérer la pression au niveau du mur. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'on a des idées sur comment ça fonctionne au niveau scientifique? Est-ce qu'il y a des principes un peu physiologiques qui soutiennent cette pratique? Effectivement, il y a plusieurs recherches qui existent sur le massage. On en connaît les bienfaits au niveau psychologique, au niveau corporel. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites à l'heure actuelle sur les automassages. En fait, c'est un petit peu amusant parce qu'on revient un peu du fameux stretching, des étirements. On disait à tout sportif, dans un premier temps, on a dit avant, puis après le sport, de faire des étirements, c'est très important, étirez-vous. Et en fait, ça n'a pas passé la barrière de la science. C'est-à-dire que globalement, scientifiquement, l'intérêt des étirements peut être valable dans certains cas, mais globalement, n'a pas montré des intérêts. Et on s'est rendu compte parallèlement, ces dernières années, qu'au contraire, l'utilisation de massage et d'automassage avaient, eux, une efficacité bien plus prononcée, bien plus remarquée, que ce soit en préparation du mouvement, du sportif ou dans la récupération. Alors, la manière dont ça marche, il y a encore peu de recherches qui sont faites, mais il y a quand même plusieurs recherches qui ont été faites récemment qui montrent l'efficacité des automassages au niveau des récupérations musculaires, au niveau des lésions musculaires. Donc on a une bien meilleure amélioration. D'ailleurs, toute personne qui pratique les automassages s'en rend compte. Par exemple, quand on fait une séance de sport, le lendemain, on a les fameuses courbatures ou le surlendemain, les fameuses courbatures. En général, c'est un peu l'excuse pour ne plus pratiquer. Or, une séance de sport deux jours après. Or, si on fait un petit peu d'automassage en début de séance, on va échauffer les muscles et on va tout de suite avoir un bien-être, libérer aussi l'amplitude musculaire et pouvoir... La mobilité générale. Voilà, la mobilité générale et pouvoir ensuite faire notre séance de sport. Alors là, j'ai donné l'exemple du sport, mais attention, la plupart des tensions que les gens accumulent, ce n'est pas dû au sport, c'est dû à la sédentarité, au fait de rester assis toute la journée. Et là, on accumule des tensions dans toutes les parties du corps, dans la main, l'avant-bras, au niveau de la tenue de la souris, au niveau des fessiers parce qu'on est assis, au niveau du cou parce qu'on est en avant vers les écrans, etc., etc. Et là, les automassages sont très efficaces. Donc au niveau scientifique, on a encore peu d'explications au niveau neurologique, au niveau physiologique, bien qu'on commence à en avoir. Par contre, au niveau statistique, on a de plus en plus d'études qui montrent l'intérêt pour tout un chacun de pratiquer des automassages en termes de mieux-être, de récupération physique, de récupération psychologique. Et dans des pathologies peut-être vraiment spécifiques,
Est-ce que ça a été, c'est utilisé par des personnes? Toi, tu parlais de ton vécu par rapport à la hernie discale. Alors voilà, moi j'ai tensions au niveau du bras, du canal carpien. Voilà, exactement. Moi, j'ai quelques expériences personnelles de gens avec qui j'ai travaillé, qui ont des tensions, effectivement, dans différentes parties du corps. Mais moi, je suis pas kinésithérapeute, je suis pas préparateur physique non plus. J'ai plutôt mon expérience personnelle de vie quotidienne où ça va vraiment m'aider. Mais moi, je me situe pas dans un positionnement thérapeutique. Mais évidemment, tout le monde sait que les kinésithérapeutes s'appellent en vrai des masseurs kinésithérapeutes et utilisent le massage. Et ça, c'est très très bien le massage. Là, c'est vraiment une des thérapies que je recommande le plus à tout point de vue, même pour les gens qui sont stressés au niveau physiologique, au niveau psychologique, pardon. Mais le seul problème, c'est qu'on aimerait bien avoir le kiné à domicile, on aimerait bien avoir des massages tous les jours, et c'est pas possible. Je recommande, et nous faisons faire des massages régulièrement, au moins une fois par mois, par des professionnels du massage, mais je recommande à chacun d'apprendre à s'automasser, parce que là, on va pouvoir l'utiliser tous les jours. La balle de massage qui traîne à côté de l'écran d'ordinateur va pouvoir être utilisée, les petites bagues sujoc pour libérer les tensions qu'on accumule au niveau des doigts, le rouleau qu'on a dans la salle de vie commune à côté de la télé, ça va être le bon lieu pour aller se masser en regardant la télé, en écoutant de la musique, dans la vie de tous les jours. Donc c'est plutôt ça que moi je vois en complément d'un travail thérapeutique. Je ne peux pas dire que les automassages, c'est un outil thérapeutique, mais en tout cas, ça va contribuer à éviter d'accumuler des tensions. Tensions qui, à terme, si elles s'accumulent, vont dégénérer en troubles, en pathologies, etc. Donc, en aucun cas, les automassages vont remplacer le travail du kinésithérapeute, de l'ostéopathe ou autre. Mais en complément, ça va être un bon entretien des tissus, indispensable dans notre mode de vie, de toute façon. Indispensable. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse passer de ça. On ne peut pas dire, ah voilà, je passe 14 heures par jour assis sur une chaise sans en payer le prix à un moment ou un autre. C'est impossible. Donc, ce n'est pas que les automassages vont résoudre tous les problèmes, mais les automassages nous obligent aussi à bouger. Donc, on se mobilise, on fait des mouvements. Voilà. À côté de ça, on va préconiser des mouvements primordiaux, des mouvements essentiels, des mouvements de base, le travail sur les réflexes, le travail de renforcement musculaire. Il y a plein d'autres choses à faire. Je ne dis pas les automassages vont tout faire. Mais c'est une base très importante aujourd'hui, je pense, pour tout à fait adapté à la vie contemporaine, quoi. Et comment t'en es venu à intégrer du coup les automassages à l'IMP? Alors, et au lien, enfin, quel lien t'as fait aussi entre les automassages et l'amélioration de l'intégration des réflexes? Voilà, et l'intégration des réflexes. En fait, c'était pas du tout prévu au départ. Au départ, j'avais utilisé en IMP, enfin synthétisé, ce que j'avais appris sur l'intégration des réflexes, et personne n'avait montré ni massage, ni travail avec les automassages. Et à savoir, à l'époque, en plus, quand j'ai commencé à intégrer les automassages, il n'y avait pas de technique tactile qu'on connaît bien depuis qu'a développé Svetlana Mazgoutova les techniques tactiles qu'on enseigne en IMP, mais ça n'existait pas non plus. Et c'était pas prévu, en fait. J'ai commencé à enseigner l'IMP, il n'y avait pas de technique de massage, d'automassage, ni de technique tactile. Mais je me suis rendu compte que dans mon cabinet, j'utilisais les techniques de Paul Denison de rééducation du mouvement, dans lesquelles on libère les tensions dans différentes zones corporelles. Paul Denison, il travaille avec 19 zones. On va travailler aussi bien sur les bras, le dos, le mollet, etc., etc., sur l'ensemble du corps. Et ça, c'est une technique que j'utilisais toujours. Rééducation du mouvement dans mon cabinet, d'aller libérer les tensions. Par exemple, quelqu'un qui a un réflexe au niveau du bras ou de la main non intégrée, ben, j'allais lui libérer les tensions musculaire grâce au travail de Paul Denison. Quelqu'un qui a des réflexes au niveau du cou non intégrés, j'allais travailler au niveau du cou, le mollet, etc., le dos, les réflexes au niveau du dos, les techniques du dos. Donc ça, c'est très bien. Sauf que ça ne permettait pas ensuite aux gens de s'entretenir à la maison. C'est-à-dire que je leur fais la technique, je libère la tension, c'est très bien, ça contribue à l'intégration du réflexe. Les gens rentrent chez eux, puis un mois après, ils me disent « Oui, mais j'ai toujours les tensions et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Donc, bien sûr, il y a des mouvements de brain gym qui sont efficaces, mais là, progressivement, j'ai commencé à incorporer le travail sur les automassages. C'est-à-dire que si je vais travailler sur la région de la main, bah, je vais montrer aux gens ensuite comment faire les automassages au niveau de la main, même chose pour l'avant-bras, même chose pour le cou, le dos. On va avoir des automassages spécifiques. Et donc, les gens vont pouvoir utiliser ces automassages en complément à la maison. Et donc, évidemment, comme ça s'est imposé à moi en cabinet, bah, à un moment donné, j'étais mal à l'aise du fait que ce ne soit pas présenté dans les cours d'IMP. Et je me suis dit, bah, il faut l'intégrer. Donc, progressivement, ça s'est intégré en IMP, un petit peu ici ou là. Et puis, ça s'est vraiment intégré dans le cours, enfin, en fait, dans deux cours, dans le cours de formation d'IMP qui s'appelle ACDM, au cœur du mouvement, dans lequel on enseigne toutes ces techniques de rééducation du mouvement. Et donc, pour chacune des zones sur lesquelles on travaille, on va aussi utiliser des automassages. Et puis aussi, pour le grand public, on a un atelier automassage où on montre en une journée un petit peu à tout le monde ce qu'on peut faire au niveau des automassages. Et puis là, on a aussi le cours pratique corporelle primordiale. Et dans ce cours, on montre
des automassages en plus de mouvements primordiaux, de mouvements de brain gym, de mouvements sur la vision et de tas d'autres choses, et avec des programmes d'automassage aussi, donc un peu plus en complément de ce qu'on fait dans l'atelier, dans le cours ACDM et dans les stages d'IMP.